Coucou ma girl, j'espère que tu vas bien et que tout se passe méga super bien de ton côté. Alors aujourd'hui, je te montre les exercices que je fais pour retrouver ma vitalité et surtout mon corps après deux accouchements. J'espère vraiment que cette vidéo va te plaire et si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite surprise pour toi. Alors, avant de commencer la vidéo, j'aimerais tout d'abord te parler de cette belle tenue que tu vois sur moi. Toi-même, juge de toi-même. Regarde le charisme de l'enfant dans cette tenue, le style, le design. Franchement, je suis juste bluffée par la qualité et je tenais vraiment à partager cela avec vous. Ma tenue, je l'ai eue sur le site ubeyond.com, spécialisé dans la vente des tenues de sport. Alors, j'ai découvert cette marque grâce à une Instagrammeuse qui en avait parlé. Elle avait juste fait des éloges de cette marque et j'ai voulu vraiment tester. Et franchement, je ne suis pas déçue, je ne suis pas du tout déçue. La qualité du tissu est juste waouh, les filles. Tu es confortable dans ta tenue, tu ne te sens pas serré, tu es super à l'aise. Le design, n'en parlons plus, c'est juste unique. Tu ne vas pas retrouver cela n'importe où. Alors, ils sont également sur Instagram. Vous pouvez aller regarder déjà quelques catalogues sur Instagram et sur leur site également, leur site internet. Il y a plein de trucs là-bas, des pullovers designés. De toutes les façons, vous verrez au travers de quelques exercices comment est-ce que je me sens à l'aise. Je suis super confortable dans ma tenue. Mais malheureusement, au niveau du body, j'ai pris du M. J'aurais dû prendre du L parce que vous savez que généralement, quand tu allaites au niveau de la poitrine, c'est un peu... C'est un peu, on va dire, c'est chargé quoi. Donc, généralement, il est conseillé de prendre une taille au-dessus, voire deux tailles au-dessus. Lorsque tu allaites, de toujours prendre deux tailles au-dessus quoi. Donc, c'est l'erreur que j'ai faite, mais honnêtement et sans blague, ça ne me gêne pas pour autant. Vous verrez au travers de mes exercices, de ma séance de sport, comment est-ce que, bon, le body arrête bien les seins. Tu es à l'aise, c'est vraiment top quoi. Alors pour ceux que ça intéresserait, bon moi généralement quand je fais du sport, je choisis toujours une activité que j'aime bien faire, comme moi j'aime beaucoup danser. Donc du coup, je mets une musique, je mets mon casque, je fais mon sport, je fais les exercices qui vont vraiment me faire transpirer. Ou bien parfois je peux aussi mettre sur YouTube un coach sportif et puis je suis juste ce qu'il est en train de faire. Et franchement, ça fait du bien. Je peux que vous le recommandez, les filles. Faites du sport, c'est top, c'est top. Alors, la démarche que moi j'ai, que je suis en train de prendre en quelque sorte, c'est faire du sport deux fois minimum, en fait deux fois dans la semaine, voire trois fois si possible, et surtout aussi revoir mon alimentation au niveau, parce que c'est vrai qu'actuellement j'allaite, donc je peux pas encore faire certains, je peux pas me priver au niveau de l'alimentation en tant que tel. Donc franchement, je revois juste mes portions, mes quantités, j'essaie vraiment de m'adapter et tout quoi. Mais je vous conseille franchement de faire du sport, de revoir l'alimentation, de diminuer les féculents parce que c'est aussi ça qui fait beaucoup prendre du poids. Et n'oubliez surtout pas que après l'accouchement, le corps ne va pas toujours, ne va pas se remettre en place comme il le faut. Il faut que toi-même, tu essaies de prendre les choses en main. Tu essaies franchement de te surpasser, quoi. Je sais qu'actuellement, bon, ce n'est pas, ça ne sera pas 100% comme je veux, mais j'essaie déjà moi-même de faire quelque chose pour que cette routine déjà s'intègre dans mon quotidien. Ça, c'est très important. Avoir cette motivation, c'est bien, mais le plus important, c'est la discipline. Donc, peu importe comment est-ce que tu vas faire, l'organisation est primordiale. C'est vrai que c'est pas facile, surtout avec deux enfants et tout, mais je me dis, le plus important pour moi, c'est d'être en santé,
de me retrouver, de retrouver mon corps, surtout mon corps de bien-être, ça c'est très important pour moi. C'est pas forcément être mince, mais c'est surtout se retrouver dans son corps, surtout se sentir bien dans son corps. Alors là, vous voyez, je travaille aussi mes bras. Pour moi, c'est aussi très important, mes bras, les cuisses, le ventre. Ce sont des parties où quand moi je prends du poids, ce sont vraiment les parties qui subissent quoi en quelque sorte. Et donc c'est un peu ça. Surtout, n'oubliez pas de faire des petites pauses si nécessaire, d'une minute, et puis vous reprenez. Vraiment, surtout, écoutez votre corps, ça c'est très important. Dans toute chose, il faut toujours écouter son corps. Si vous ne pouvez plus arrêter, vous n'êtes pas en compétition avec qui que ce soit, votre corps vous parle, écoutez votre corps. Vous voyez, de temps en temps, ma fille vient, elle faufile et tout, ça c'est même pas évident avec les enfants de faire du sport et tout. Mais bon, pour moi, ce n'est pas une excuse. Parfois, même quand je fais comme ça, elle-même aussi, elle vient à côté, on danse ensemble. Ça fait partie du sport. C'est aussi très bien. Hello la famille. Alors, oups, désolée. Ok. Alors, je viens de finir ma séance de sport. Tout s'est bien passé. Alors, quand je finis une journée comme ça, je suis hyper fière de moi. Honnêtement. Je suis trop fière de moi. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Alors, j'espère vraiment qu'elle t'a beaucoup plu. Et n'oublie surtout pas, je t'ai promis un petit cadeau à la fin de cette vidéo. Alors, sache que si tu passes ta commande sur leur site, tu obtiendras 15% de réduction en utilisant mon code EMISCOL1. Vas-y, profite de ces 15% de réduction et je te rassure, tu ne seras pas déçu de la qualité du produit. C'est juste génial. J'étais vraiment ravie de te partager cette vidéo, de te partager ma routine sportive et de te donner mon avis sur la marque Ubeon. Alors, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tu connais le mot magique. Surtout, tu restes positif. À très bientôt, mes girls. Surtout, prenez soin de vous. Bye bye.